Bonsoir. Bienvenue sur Initiative. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de cette table avec 4 joueurs devant moi. Pour ma personne, vous me connaissez un tout petit peu. Je suis Arnaud, ça fait 3 scénarios que je tourne avec cette équipe ici présente devant moi. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un JDR Cthulhu Dark sur les règles, mais qui est inspiré de l'univers du jeu vidéo de Game Kitchen, The Last Door. Moi, je ne serai que le narrateur, le conservateur, le gardien des portes, car aujourd'hui, dans l'aventure, nous suivons l'aventure et sans doute le destin peut-être funeste de 4 investigateurs. Alexis. Bonsoir. Anthony. Bonsoir. Quentin. Bonsoir. Et Colin. Bonsoir. À eux 4, ils joueront 4 investigateurs dont ils vont nous expliquer plus tard les noms et les fonctions. Petite précision spectateur, donc c'est un JDR qui prend son inspiration du jeu vidéo The Last Door. L'histoire qui va être interprétée ne suit toutefois pas la trame narrative des 2 excellents jeux que je vous recommande très vivement. Moi-même et Alexis d'ailleurs. Je recommande. C'est un point and click, très Lovecraftien avec une histoire saisissante et une bande originale de Carlos Vaiola qui est tout simplement sublime. Cette aventure ne sera donc pas basée sur l'univers de Lovecraft, bien que The Last Door en soit une lettre d'amour explicite. Je vais donc demander à nos investigateurs de présenter leur personnage en commençant par Alexis. Alors ce soir, je jouerai James Langdon. Je suis parapsychologue, célèbre certes, riche certainement. J'ai eu la chance d'être passé beaucoup de fois à la télé, même si bon... il est vrai que certaines personnes disent que je suis peut-être un charlatan, mais je ne le pense pas. Moi, vous savez, je fais mon travail et je le fais très bien. Très bien. Et nous allons maintenant parler d'un autre profil un peu plus particulier, qui est celui du personnage d'Anthony. Ce soir, je jouerai donc Vincent Crowley, militaire de carrière et médecin, donc militaire également. Très bien. Et un deuxième médecin dans ce groupe d'investigateurs, en la personne de Quentin. Exactement, je jouerai Ludwig Manfred. Je suis actuellement un professeur, mais aussi un docteur, toujours en activité, spécialisé dans la psychiatrie. Je suis du coup aliéniste et je suis... assez reconnu dans mon domaine, puisque réussir à être professeur et en même temps toujours pratiquer, c'est quand même assez impressionnant. Surtout que, bon, j'ai pas 70 ans, j'ai à peu près la quarantaine, donc, reconnu, je suis pas dans les livres, mais en tout cas, je suis assez respecté de mes étudiants, puis dans le domaine professionnel en général. J'essaie pas trop de me mettre en avant, je suis plutôt quelqu'un j'ai un recul par rapport à tous ces pompeux qui adorent faire des thèses et tout genre de choses. Moi, je suis plus dans le travail efficace, on va dire, plutôt que dans la mise en avant aux caméras. Très bien, excellent. Et enfin, le dernier ou la dernière investigatrice en la personne de Colin. Moi, je m'appelle Margaret Wright, mais plus souvent on m'appelle Maggie. Je suis une archéologue, exploratrice et symbologiste. Très bien. Et ce soir, nos investigateurs sont à Liverpool, nous sommes en Angleterre, le 19 mars 1891, il est 11h30. Ludwig, ainsi que tous les autres investigateurs, en fait, vous appartenez à un club d'investigation plutôt sensationnel. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes pseudo-paranormales avec des pseudo-ésotéristes, des pseudo-médiums, parfois des personnalités religieuses. Mais c'est quelque chose qui, dans le grand public, est vu comme quelques riches en manque d'attention et surtout en manque de sensations fortes qui se réunissent pour faire des trucs un petit peu débiles, vraiment. C'est
L'explication que la presse retient, c'est quelques riches qui font des rituels païens à pas d'heure sur vraiment ce type d'explication qui est retenue, en s'imaginant comme étant de grands satanistes ou des grands ésotéristes, etc., etc. Le président de votre club, William Wakefield, est une personnalité publique un peu à la façon de James, qui fait des interventions médiatiques, qui parle, qui a un peu une vision eschatologique de la vie, c'est-à-dire qu'il dit que la fin est proche, que alors lui, il appelle ça les grands dieux, les anciens dieux, les dieux très anciens vont venir reprendre leur trône terrestre, etc. C'est un charlatan aussi à sa manière, hein, en fait, un peu presque comme James, avec tout le grand respect pour sa profession de parapsychologiste. Nous sommes donc à Liverpool, vous avez tout prévu, un petit trajet en bateau à vapeur pour aller à Pity's Island, qui est l'endroit où William vous attend. Avant de rentrer dans le vif de l'histoire, sachez que Pity's Island est connue comme étant une île assez particulière au large de Liverpool, qui a une formation géologique particulière, puisqu'elle est, bon, de très loin, et vraiment avec beaucoup d'imagination, en forme de crâne. Humain, évidemment. Et cette île a comme particularité d'être à la confluence de plusieurs vents, et d'être très calme la nuit, ce qui veut aussi dire qu'elle a plusieurs brumes qui se forment autour d'elle, ce qui lui vaut la réputation et le sobriquet de crâne au milieu des brumes. Nous sommes à Liverpool, il est 11h30, nous sommes le 19 mars 1891. Malgré toute la planification de Ludwig en particulier, un imprévu vint se glisser au dernier moment. Le docteur Ludwig Manfred est convoqué d'urgence par la police à l'hôpital où il exerce, l'hôpital psychiatrique du quartier de Rope Walks. Quelque chose est arrivé à son ami et patient Oswald Anderson, qui suivait depuis presque 10 ans pour des troubles schizophréniques et autres pathologies. En arrivant à l'hôtel, sous une pluie diluvienne, il trouve 3 voitures de police. Plusieurs docteurs sont dehors et des policiers leur posent des questions. En se rapprochant du hall, un policier un petit peu plus bourru l'arrête et lui demande la chose suivante. « Vous êtes qui, vous ?» Bonsoir, monsieur l'agent. Je suis monsieur Ludwig. Vous êtes docteur ? Exactement. On m'a. Vous êtes Manfred, c'est ça ? Exactement. Tout okay. à fait. Suivez-moi. C'est urgent ? Oui, plutôt. Le policier te mène vers la chambre de ton patient et tu vois dans le couloir une infirmière qui gise sur le sol et tu vois très bien qu'elle a la gorge tranchée. Un policier est au-dessus d'elle et prend quelques photos pour le légiste. Les murs sont quelquefois tachés, tu vois, avec des traces de mains. Tu interprètes les traces comme étant parfois du sang, parfois, et avec l'odeur, tu considères que ce sont des excréments qui ont été étalés. Et arrivé à la chambre d'Oswald, un macabre spectacle se dévoile. Plusieurs paires de bras forment un soleil au centre duquel trône un visage sans chair et dont les yeux ont été grossièrement remplacés par des boutons de chemise. Le cadavre de ton ami Oswald gise un peu plus loin, près de son lit. Devant lui, le mur de sa cellule présente une grande tache de sang et tu remarques que son front est cabossé. Tu rentres, tu es en transe et je vais te demander, face au spectacle que tu vois, de me faire un D de santé mentale. Pour nos auditeurs, Cthulhu Dark se joue uniquement avec des D6. Vous avez 3 G possibles. Un G de D qui détermine si vous voulez faire quelque chose, par exemple courir, sauter à travers une fenêtre, etc., etc. Vous avez un D qui vous permet de faire quelque chose qui est lié à votre profession, étudier un symbole, si vous êtes plutôt archéologue, par exemple. Et enfin, vous avez un dé de santé mentale. C'est ce que je viens de demander à Ludwig de lancer. Et je viens de faire 2.
Très bien. Et simplement pour expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas Cthulhu Dark, que vous réussissez automatiquement votre action lorsque vous jetez un dé. Mais le score que vous allez faire, plus il se rapproche de 6, et plus il va être une réussite, une grande réussite. Par exemple, sauter de toit en toit, si vous faites 1, vous allez sauter sur le toit, mais faire énormément de bruit. Si vous faites 3, par exemple, pareil, vous allez faire du bruit et vous allez permettre à vos poursuiveurs de vous suivre. Et si vous faites 5, parfait atterrissage. Si vous êtes 6, pareil, parfait atterrissage, etc. Cependant, dans quelques situations, en particulier quand il s'agit de déchiffrer des symboles occultes, par exemple, faire un 6 peut vous amener à en savoir beaucoup, beaucoup trop. Ce qui entraînera parfois un problème de santé mentale. Pour la santé mentale, comment cela fonctionne? Vous avez tous les investigateurs qui sont autour de cette table ont un point de santé mentale de base. Ils commencent en étant tout à fait sains d'esprit. Si le score du dé que Ludwig vient de lancer, il vient de faire 2, est supérieur à sa santé mentale actuelle, donc 1, il se prend un point de santé mentale. Si Ludwig arrive à 5, il est absolument urgent de brûler une relique ou quelque chose qui lui permettrait de regagner sa santé mentale. Et s'il fait 6, il est perdu dans les affres de la folie. C'est quoi une relique ? Une relique ou quelque chose de religieux ou quelque chose qui vous fait qui vous fait vous sentir très mal à l'aise. Ça peut être un livre occulte, un artefact, peu importe. Parfois, un être humain. Donc, tu vois cette scène, choqué. Évidemment, je pense que je reste fixe. Je ne dis rien. J'essaie de rester absolument calme, mais intérieurement, bon, évidemment que j'ai jamais vu ça, et je suis terrifié. Je ne pense qu'à une chose, c'est à me retenir de vomir sur le champ. En voyant ce spectacle horrible, je pense que je ne vais pas garder les yeux sur ce soleil de membres. Je vais plutôt me tourner vers Oswald, son cadavre. Je ne sais pas si c'est vraiment un cadavre, moi, pour l'instant, pour essayer de voir si mon patient va bien. C'est le policier qui te sort de ta transe. S'il y a besoin de vomir, c'est dehors. Les gistes ont déjà du mal avec ce que votre ami a laissé. Très bien, monsieur. Laissez-moi faire mon travail, je vous laisse faire le vôtre. Laissez-moi... C'est plus votre travail, monsieur. Mon patient est ici. Donc, je réitère. C'est plus votre travail, monsieur. Et si j'essaie de m'approcher de mon patient, est-ce qu'il me bloque ? Te bloque pas. Mais au moment où tu approches Oswald, tu vois que son crâne est vraiment cabossé. Je sais pas bien ce qui s'est passé, monsieur. Les docs disent que vers 1h du matin, votre ami est devenu fou. Il a égorgé l'infirmière là-bas à force de ses doigts et il est parti dans sa cellule et s'est fracassé le crâne dans le mur en criant des borborismes. Que Dieu qu'il était pas là pour dire ça. Et d'ailleurs, monsieur, on sait même pas d'où il sort ses bras et cette tête, enfin, ce qui reste de cette tête, quoi. Personne n'a disparu dans... Et récolter autant de bras, faudrait aller dans une morgue et aucune morgue du quartier n'a dit ça. Et tout ça, ça a l'air fraîchement coupé. Non, mais je comprends pas comment il a pu avoir l'occasion de faire ça. Et même s'il avait des problèmes mentaux, il était plutôt en bonne voie de rétablissement. Donc je dois avouer que je pense qu'il y a un souci. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste lui qui a fait ça. C'est impossible. Au moment où tu dis ça, il dit « Écoutez, moi, je suis juste flic, hein, c'est pas pour mon travail, je sais pas. » Au moment où tu débats avec le policier, un homme entre en trombe dans la salle. Empêché par deux policiers, il est maintenu. C'est, tu le reconnais tout de suite, Vincent Crowley, qui exige qu'on le laisse voir son ami. « Laissez-moi passer, enfin !» Excusez, c'est excité, là. Sortez-moi ce gars d'ici. Laissez-moi passer. Vous reconnaissez. Laissez-moi passer. Vincent, laissez-le. Ludwig, dites à ces énergumènes de me laisser passer. C'est mon assistant, laissez-le passer. Ah, mais oui, voilà. Merci.
s'il vous plaît. Non, mais non. Vous voyez que les policiers s'écarquillent un peu et disent il y a plus grand chose à voir pour vous ici, mais enfin, si vous voulez voir un spectacle. Et oh, un peu plus de respect, s'il vous plaît. Attends, je sais donc dire, Vincent, c'est peut-être pas une bonne idée de rentrer. C'est, C'était mon ami, je veux voir ce qu'il est. Et j'ai vu bien pire, d'accord ? Donc ne me ménage pas, s'il te plaît. Non, pour ta santé mentale, le policier, je veux pas savoir. S'écarte. Et tu as accès à l'ensemble de la pièce, et y compris à Oswald. Je suis choqué, mais étant donné que c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, on va dire, dans le sens de voir des morts, je veux dire. De voir des cadavres, c'est quand même quelque chose que j'ai vu à l'armée. Mais c'est vrai que ce genre de barbarisme, c'est vrai que ça met un coup quand même. Le macabre de cette scène te fait, en effet, tu te retiens de vomir et tu vas, à la manière de Ludwig, me tirer un jet de santé mentale également. 4. Tu gagnes un point de santé mentale. Tu gagnes. Perds plutôt un point de santé mentale. Et tu es un peu en transe par rapport à cette scène et surtout à voir ton ami mort, parce qu'Oswald, c'est ton ami très proche. Et c'est Ludwig qui te sort de ta transe. Et en fait, quand il entre et que je vois qu'il reste un petit peu fixe d'un coup face à la scène, j'attends genre 2-3 secondes, mais je le pousse pour le sortir de la pièce. Et même moi, j'ai envie de sortir de la pièce. Donc, Vincent, ça sert à rien de regarder non, ça. C'est pas normal. Il allait bien. Je sais. Attends. Le policier, il te regarde. Il dit, mais pourquoi vous êtes là? Vous, qui vous a prévenu? On a appelé que l'Allemand, là. Non, mais je suis policier. On m'a appelé en... Parce que c'était mon ami, et en plus, je suis dans les fonctions. Donc, évidemment, j'insinue que je fais toujours partie de la police. Le policier ne te croit pas du tout. Il te regarde dans le blanc des yeux et il te dit « Bah, vous avez pas l'uniforme, vous avez pas la plaque, excusez-moi, mais vous avez l'air d'être un parfait inconnu, en fait. » Je vais sortir ma carte d'identité, je vais lui montrer et je vais lui dire « appelez le commissariat, vous verrez bien. » Vous verrez bien que je faisais partie de la police. Appeler le commissariat, ça veut dire qu'il faut qu'on réquisitionne toute la ligne pour vérifier vous si avez vous les radios, non, enfin, non mais attendez, c'est bon, vous en faites pas, Vincent, on va s'en aller, on a plus rien à faire ici. Ça sert à rien, on a vu ce qu'il fallait voir et t'en as peut-être vu alors que t'aurais peut-être pas dû le voir. Non mais c'est aberrant, c'est aberrant, on a même plus le droit de s'inquiéter pour ses amis. De toute façon, la psychiatrie peut plus grand-chose pour vous. C'est le taf des légistes. Alors, c'est triste à dire, et pardon, parce que vous avez perdu un ami et vous, votre patient, mais on vous dira quand on aura des résultats, des enquêtes ou quoi que ce soit, parce que là, pour le moment, sauf si vous êtes miraculeusement, en fait, policier, détective mystère, c'est assez difficile pour moi de vous dire quoi que ce soit d'autre, monsieur. Non, mais on comprend, on va vous laisser travailler tranquillement. On s'en va, on en a assez vu. Quand il se moque un peu, je vais quand même serrer le poing et je vais le regarder genre un peu méchamment et je vais faire « ouais, c'est ça ». Il te calcule pas. Et au moment où vous quittez les lieux, vous vous dirigez donc vers l'appartement qui un appartement très luxueux qui sert de quartier général à au club dans lequel vous êtes, où vous attendent Maggie et James qui sont là et qui en fait vous attendent vous pour aller prendre le bateau à Liverpool. Enfin. Bah dis donc, vous en avez mis du temps. Oui, c'est pas forcément le moment. Ouais, non, désolé. Ça va pas ? On a eu un petit souci. Bon, remarque, c'est pas grave, au moins on a pu profiter de le délicieux gâteau du club. Alors que vous vous retrouvez dans cet appartement, chacun, que faites-vous ? Je me sers un bon gros verre de scotch. Je vais faire la même chose. Mais sauf que je prends pas un verre, je prends la bouteille. Oh, attendez, vous allez pas boire cette immondice. Regardez, vous avez du délicieux cognac à côté, là. Occupe-toi de toi. Bon, dis donc... Non, c'est pas le moment, j'ai dit. Bon, James, ne t'en fais pas. On vient de voir quelque chose d'assez traumatisant. Un de mes patients, qui est aussi un ami de Vincent, a vrillé
Quand il dit ça, je bois la moitié de la bouteille QC. De manière un petit peu incompréhensible. Et la scène de crime, qui était une scène de crime quand c'est à l'hôpital, était assez visuellement impressionnante. Faut pardonner Vincent qui a vu quelque chose d'assez choquant. Aucun problème, je comprends. Est-ce que vous avez besoin de rendez-vous avec moi? Après tout, je suis le grand James Langdon. Voilà, je repose le bouquin que j'étais en train de lire et je te dis, James, je pense qu'il faut les laisser un petit peu et peut-être qu'ils nous expliqueront tout à l'heure. Attendez, je ne fais que proposer mes services, je suis là pour ça. Oui, mais merci, James. Ils ont l'air de vouloir s'en remettre un petit peu. Non, mais on va aller prendre le bateau, ça va nous prendre l'air et penser à autre chose, ça va peut-être faire du bien à moi et surtout à Vincent. Oui, de toute façon, je pense que le bateau est affrété depuis un moment sur le quai. Je vais finir la bouteille, quitte à me mettre une mine monumentale jusqu'au moment où je sens plus rien. Enfin, je continue de boire jusqu'à ce que j'arrive à encaisser le coup. Vincent, toi, le joueur, n'a pas l'information, mais tu es obsédé par la lettre que t'a envoyée Oswald. Une obsession qui te canalise complètement, et tu penses à ça et tu la relis au reste de l'affaire, et tu redis les mots que tu as, et ça te met presque dans une transe en fait. En plus de l'alcool, c'est vrai que ça doit être quelque chose. Et on le voit un peu d'où être bizarre. C'est assez visuel, d'autant que Ludwig en particulier, tu es aliéniste, tu sais reconnaître des comportements étranges quand les gens se sentent mal. Toi, tu le sais par rapport à tes expériences personnelles sur des gens, enfin, en tant que parapsychologue. Et cette transe, elle est vraiment visuelle parce qu'en plus, il marmonne les mots qu'il y avait sur cette lettre. Voilà, j'essaye de lui prendre sa bouteille d'alcool et de la cacher quelque part. Elle est vide. Ah yes, ok. Alors, d'accord. Moi je lui prends la lettre et j'essaie de lui... En fait, de venir gentiment, de l'aider un peu et de lui prendre la lettre des mains, de la mettre dans mon dos histoire que Maggie la prenne, qu'il la regarde pas ou un truc comme ça. À cause de l'alcool qui te tape quand même pas mal, de la lettre dont tu te remémores, et de l'ensemble des choses que tu as vécues, que ce soit maintenant ou auparavant, tu perds un peu l'équilibre, ce qui permet à Ludwig de, grâce à son index, prendre l'enveloppe sous tes mains. Du coup, si m'enlève l'enveloppe, je vais prendre derrière le bar, je vais prendre une autre bouteille. Alors, tu es désormais, Ludwig, en possession de la lettre. Alors, je la donne à Maggie et moi, je m'occupe de Vincent, histoire d'être sûr qu'il ne se fasse pas de bêtises. Ben, moi, je la garde et je la garde sur moi pour pas qu'il essaye de la fouiller quelque part. Je la mets dans une de mes poches, il ne la verra pas. Est-ce que tu veux la lire? Non, je ne la lis pas. Moi, je vois toute cette scène, du coup, de loin, en buvant mon petit verre et en mangeant des petits gâteaux. Des chou gâteaux, d'ailleurs. Je regarde Maggie, du coup, je vois que Maggie a attrapé la lettre et j'essaie de la voir, je fais... Je peux me permettre? Ouais, c'est un peu compliqué comme question, là. C'est assez personnel, non? Une lettre... Je sais bien, mais justement, vous voyez qu'il est dans un état un peu second. Si je peux vraiment pour voir, il veut impérativement avoir cette lettre. Est-ce qu'on pourrait la lire pour voir si on peut lui permettre de la lire ou si elle a un contenu dangereux pour lui, pour sa santé mentale? Bon. Je suis pas des masses emballées par l'idée, mais... C'est vrai que c'est assez inquiétant comme réaction. Je lui laisse, mais moi, je veux pas la lire. Du coup, je me saisis de la lettre et je commence donc à sentir le magnifique ciré, le fameux cache en cire, et je la déballe. La lettre ne contient qu'une seule feuille. Cette feuille, alors, tu la prends de dos, il y a quelque chose de griffonné, mais sur le devant, il y a un poème écrit à la plume, qui dit la chose suivante alors que tu le lis. « D'abord, dans le vent, ils cherchaient leur roi. Mais perdus étaient les oiseaux. Ils ont pleuré de souffrance et se sont envolés vers la mer, contraints par un besoin. Ils y trouvèrent le silence, leur quête était terminée. » Au dos de cette enveloppe,
Il est griffonné, sans doute au crayon de bois. Ils y sont presque. Dites à Wakefield, et il y a un mot que tu ne comprends pas. Za-ilatal. Du coup, je lis cette lettre devant les autres. Alors, je ne sais pas qui... je pense que Ludwig est un peu trop... trop son attention, pardon, sur Vincent. Mais je reste quand même un peu effaré, parce que un petit poème comme ça, il est certes étrange, un peu... Il me semble un peu glauque, même, ce poème. J'en comprends pas particulièrement la signification, mais je sens qu'il y a quelque chose d'étrange avec. Par contre, je sens que dans cette lettre, au final, c'était le poème qui devait lui être destiné, mais le fait que ce soit écrit avec au crayon de bois à l'arrière, est-ce que l'écriture semble un peu à la va-vite ou pas? C'est vraiment griffonné. C'est-à-dire que vraiment, il a écrit très rapidement. Voilà, c'est comme si quelqu'un ou la personne elle-même avait rajouté ça au dernier moment. Je pense que le poème, même s'il est étrange, n'est pas un danger, mais je pense qu'on peut éviter, enfin moi en tout cas, je vais éviter de lui parler de la partie griffonnée en tout cas. Du coup, Maggie, je t'en informe. Écoute, globalement, c'est un poème. Mm-hmm. Il est bizarre, je vais pas te mentir. D'accord. Par contre, au dos, il y a quelque chose de griffonné qui a été fait à la va-vite. De ce que j'ai compris, son ami, c'est l'aide de son ami qui est mort, c'est ça? Je crois que c'est quelque chose comme ça, mais ils ont l'air tellement perdus. Je pense que le poème, on peut lui lire. Après tout, peut-être qu'il avait l'habitude d'entendre ses poèmes, ça pourrait peut-être même le détendre, qui sait. Par contre, je pense que la partie griffonnée, elle est un peu étrange. Je pense qu'il vaut mieux éviter de lui en parler pour le moment. D'accord, ok. Au moment où vous êtes tous réunis dans cette somptueuse pièce, hein, c'est l'appartement qui vous sert de QG à Liverpool. Ce somptueux appartement note de la richesse du club, ou plutôt de ses très riches occupants. Un homme fort bien habillé vient vous voir dans cet appartement. Vous le reconnaissez évidemment, il s'agit du majordome qui s'occupe des lieux. Et il fait... messieurs et madame, vous aviez pas un bateau à prendre? On est en retard? Non. Monsieur Manfred l'a fait affréter pour... il regarde un petit peu autour de lui, il regarde le pendule et il fait... oui, il est midi, oui, il devrait être là, il doit vous attendre. Ouais, c'est bon, on a compris. Allez, on y va. On va y aller, vous inquiétez pas, on se prépare. On a eu un petit incident qui nous a retardé, mais vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Monsieur Crowley, vous allez bien? Ouais, c'est ça, allez. On s'en occupe. On va prendre le bateau. On parle de une nouvelle, l'a choqué, c'est tout. Il est un peu bouleversé. Il est déboussolé. Il vous dit, bon, eh bien, faites bonne navigation. Merci beaucoup. Merci. Vous partez vers Water Street, qui est donc l'endroit où il y a le port de Liverpool. Et vous voyez un assez beau bateau à vapeur. C'est un bateau qui est quand même assez rustique, mais on est en 1891. Le bateau à vapeur commence à être assez moderne, on va dire. Hein. C'est pas encore ce que l'on aura plus tard dans l'histoire, mais vous avez un capitaine assez avenant qui se présente à vous. Bonjour, monsieur. Vous êtes les gens de comment il s'appelle déjà, William de Wakefield, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Vous êtes notre capitaine. Je suis le capitaine Henry Roberts. Vous pouvez m'appeler Henry, peu importe. Je vous ai attendu. Je me suis dit si vous n'étiez pas arrivé une misère ou quelconque problème. Oui, vous avez bien fait. On a rencontré un petit incident, mais vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Très bien. Viens, prenez place. Il y a une couche pour 4 personnes, comme c'était prévu dans le contrat. Eh bien, allons-y, les amis, allons-y. Petite question, capitaine. Le trajet dure combien de temps? Le trajet dure une après-midi, une nuit et la matinée de demain. D'accord. Ah oui, tout de même, c'est un trajet conséquent. Oui. Oh, vous savez, Pikis Island
est assez reculé par rapport au reste. Vous avez de quoi nous sustenter tout de même dans votre embarcation ? Oui, évidemment, vous inquiétez pas, monsieur. Enfin. Et nous sommes nombreux sur ce bateau ou... Non, vous êtes que quatre. C'est le bateau a été affrété pour vous. Par ah oui, un bateau pour quatre personnes. Je n'aurais pas aimé des inconnus qui me reconnaissent. Un si beau bateau juste pour nous. Quelle chance. Vous êtes bien gentil, c'est une embarcation assez modeste. Elle dénote à Pity Island, c'est des bateaux de pêcheurs assez... enfin bon, vous verrez. Il se retourne et puis il va, et bon, il vous dévoile un pont tout de même qui vous permet de monter sur le bateau sans encombre. Il veille à votre bon confort et il installe vos valises. J'en profite pour vous demander à chacun ce que vous avez pris pour ce voyage. Le voyage va durer à peu près 2-3 jours, vous avez prévu. Vous devez y aller en fait pour l'anniversaire de William, le président de votre club. Alors moi personnellement, à part quelques livres pour m'occuper durant le voyage, j'ai pris mon manuscrit, vous voyez, parce que j'écris moi-même un livre, Les 40 mystères de l'esprit. C'est un livre dont je suis bien évidemment l'auteur, mais aussi le héros. Il est bientôt terminé, vous inquiétez pas. Je vous en donnerai un exemplaire gratuit. Personnellement, je vais, donc dans ma valise, j'ai pris mon ancien uniforme donc, que j'ai gardé, que je mets toujours dans mes bagages, au cas où. Mon ancienne arme de service et quelques affaires de rechange, mais sans plus. Mais il n'y a pas de munitions, il n'y a rien du tout, c'est juste l'arme que j'avais gardée en souvenir. Eh bien moi, je prends tout simplement des petits carnets de notes, histoire de noter, puisque j'ai une petite passion, c'est que j'aime bien dessiner, en général. Donc je dois avouer que être en pleine mer, c'est pas forcément une habitude, donc je pense me mettre souvent sur le pont et pouvoir dessiner l'horizon. J'en ai pas forcément cette habitude. J'ai également pris une grande bouteille du gin préféré de William. Je sais qu'il est amateur de gin. Pas très commun en général, surtout pour nous. Et surtout, je lui ai aussi pris un petit livret sur bien spécifique sur comment apprendre à déceler un charlatan. Je sais qu'il raffole ce genre de petit livret extrêmement avec des explications extrêmement rapides. Et du coup, moi, j'ai des vêtements de rechange. J'ai 2-3 bouquins que je lis parce que j'aime pas m'ennuyer. J'ai des carnets pour prendre des notes vu qu'on va sur une île un peu particulière. Mon métier d'archéologue fait que j'adore prendre des informations, etc. J'ai aussi un cadeau pour William, une encyclopédie assez ancienne. J'espère que ça lui plaira. Très bien. Vous passez votre... soirée sur le bateau, hein, il commence à faire soir, à faire assez sombre, et vous mangez avec le capitaine Roberts, avec Henry, et il est fort, fort accueillant, vraiment, très, très amical, et il vous pose quelques questions, il vous dit, qu'est-ce que vous allez faire sur Pity Island ? Oh, vous savez... on est tous là pour la même raison, on va s'amuser un peu. Ah, vous savez, c'est... Oui, vous voyez, moi je cherche de nouvelles expériences, de nouvelles terres où on peut enfin me laisser tranquille. Vous voyez, je suis quelqu'un de connu, après tout, j'aime le calme, avant tout. J'aime les gens humbles. Et pour une réponse moins pompeuse que mon camarade, c'est pour un anniversaire. D'accord. Alors je précise que mon personnage, du coup, a vomi sur le trajet, du coup, il se sent beaucoup mieux, il est dans son état normal. Très bien. L'anniversaire de Wakefield. Exactement. Ah oui. On y va pour un anniversaire. Oui, c'est... On a eu aussi le concentrisme de cet homme. Je vois que vous êtes très au courant. Il rigole un peu. Et il vous dit, mais vous connaissez Pity Island ? De réputation seulement. Ouais. À ce qui paraît, elle a une forme étrange. Est-ce que c'est vrai cette rumeur sur la forme de l'île ? Oh, vous verrez tout à l'heure, enfin... On arrivera demain matin, alors vous verrez bien, mais c'est plutôt qu'il y a une grande formation rocheuse et les anciens disaient que c'était un crâne. Ouais, enfin, c'est juste un vieux caillou, les gens associent ça. Les gens adorent se faire peur. Oui, les interprétations sont c'est vrai, je suis d'accord avec mon confrère Ludwig. Il se gratte un peu la tête et il dit « Mon grand-père, il me disait que... » Oh, c'est les légendes, hein, évidemment, j'y crois pas, mais...
que c'était un géant de l'époque des Nordiques qui je ne sais pourquoi, est mort ici ou alors a été condamné à être enterré ici en ne laissant que la tête qui dépasse pour voir les humains le coloniser. Enfin, c'est des trucs de païens, vous savez, on a abandonné ça depuis bien longtemps, des vieilleries, quoi. D'accord. Il est encore en vie, votre grand-père ? Bon, non, il est mort de la syphilis. Ah, d'accord, dommage.